Vous savez, il y a des jours, ça ne vient pas naturellement. Pamina, qu'est-ce que j'ai fait dans ton rêve? Où est mes antennes? Comment ça s'améliore? Je vais vous donner des astuces qui vont vous maintenir. Ce qui a fait que avant, tu voyais ton potentiel, après ça tombait. Tu vois, après ça tombe. Tu vois, après ça tombe. Depuis que tu m'écoutes, cette fois tu commences encore à voir. Certains d'entre vous, la dernière fois que vous avez vu, ça fait même 2 ans. Que tu as eu espoir jusqu'à ce que tu as senti en toi que ton futur sera différent. Ok, Pamela, si tu dis qu'il était délivré dans le rêve. Je veux vous montrer une astuce qui va permettre que le tout si vous ne tombez pas. Je vous ai beaucoup parlé des énergies autour de vous. Je vous ai dit que Dieu est en vous. Amen, Pamela, je reçois. Dieu est en vous. Et ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Donc tu me dis que Dieu, que je suis allé à l'église, on m'a dit que non, il faut être gentil avec les gens et pauvre, tu vas aller au ciel. Dieu va te bénir. Donc tu me dis que le Dieu est en moi. Tout ce que tu t'assois, tu imagines. Tu te vois dans une grosse voiture. Avec ton mari. Les enfants sont derrière. Vous avez 5 immeubles. 4 jets privés. Tout ce que ta tête peut imaginer là. Jusqu'à quand tu penses comme ça te plaît. Voilà ton Dieu. Voilà comment Dieu te parle. Voilà comment Dieu parle à travers toi. On vous a dit à l'église qu'il faut jeter vos idées. Bonjour, la reine Chloé. Non, 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 tu ne peux pas désirer ça. Comment tu peux désirer une grosse voiture? Nous, on ne prêche pas la prospérité ici, hein. Pasteur, prêtre, si je suis pauvre, comment je vais payer mes offrandes? Donc Dieu qui nous aime autant, tant que ça, il est venu, il a donné l'argent à tout le monde, il ne nous a pas donné. Donc Dieu a distribué à tout le monde, il a commencé par les gens de dehors. Quand il est arrivé à notre tour, l'argent était fini.
C'est fini dans ses poches. Il a dit, ah, j'arrive. Il est parti. Depuis, on dit que Jésus arrive, Jésus arrive. Vous l'attendez. J'ai passé la journée avec une amie. Elle m'a amené à la plage. Donc, merci déjà, merci. J'ai passé une super belle journée avec toi. Et là, on arrive devant l'eau. Elle me dit, mais tu parles toujours de l'eau, l'eau. À l'église, on nous a dit que l'eau est mauvaise. On nous a dit que, oh, l'esprit de l'eau, c'est mauvais. Je dis, ok. Ton corps est fait de combien de pourcents d'eau? Elle me dit 70. Est-ce que tu connais que l'eau, l'esprit de l'eau que vous dites que vous fuyez là? Même quand tu coules l'eau dans ta baignoire, c'est là. C'est en toi. Fuis alors ton convoi. Fuis-toi. Quoi ici? T'as pas de démon là. C'est le hélélé. Mais ce n'est pas trop dur pour moi. T'inquiète pas. Continue ton lavage. On vous a trop. On a fait, vous êtes rejeté vous-même. Donc tu restes comme ça là. Tu rejettes tes ancêtres. Tu rejettes tout, 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 tout de toi. Tu es là, tu es déboussolé. Même la Bible, même. Tu ne connais pas bien la Bible. Abraham montrait à ses enfants comment aller faire les sacrifices, comment partir faire les autels, mettre le tout ça, tuer, brûler. Ah, toi, tu es là, tu es simpleton. Tu grandis, tu tombes sur ma page. Tu es toi seulement simple, simple. Recherchez la vérité. Parce que si ce que tu mets en pratique ne marche pas, ce que tu ne connais pas bien la vérité, il y a les éléments qui te manquent. Même si ton pasteur approuve que c'est bien, ma fille, ça fait 10 ans qu'il approuve, ta vie ne marche pas. Il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas ça. Maintenant, je veux vous montrer une astuce qui va vous permettre de maintenir votre mental. Amen, Monique. Par la grâce de Dieu. Quand vous allez votre combat se passe dans vos pensées. Et se convertir ou se repentir, ça veut dire que tu changes ta façon de penser. Je pensais d'abord que je dois être pauvre. Je dois souffrir 10 ans avant d'être riche. Quand je rencontre un homme, on doit faire 7 ans avant qu'il m'épouse. Quand je rencontre quelqu'un, on ne doit même pas me donner l'argent. Je dois souffrir à l'école 20 ans avant de pouvoir gagner l'argent. Voilà ce que tu pensais. Naître de nouveau. Ce n'est pas seulement dire, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Où est l'argent? Où est l'argent, Jésus? Jesus, where is the money? Where is the cup? Non.
Tu dois changer tes pensées. Et c'est la répétition qui sera ta mère, ta clé, ton compagnon, ton sauveur, ton aide, ta lumière, ton chemin. La répétition. Si vous m'écoutez, vous allez voir que Dieu vous dit la même chose chaque jour. Il y a certaines de mes vidéos que vous devez écouter même chaque jour pendant 2 mois. Pour que ton esprit s'habitue à la prospérité. Pour que ton esprit s'habitue au bien-être. Sur YouTube, ce matin, j'ai posté une vidéo où je faisais de la méditation. Beaucoup d'entre vous, votre subconscient est plein de... Tu dois te décider. Moi, là, je ne blague pas. Toute personne qui m'a côtoyé, employé, ex, qui que ce soit, tu peux tout me prendre sauf mon mental et mon focus. Tu peux tout me dire, mais me déconcentrer, tu as menti. You the lie. Même dans mon sommeil. J'ai un ex qui m'a dit récemment que dans ton sommeil, tu parles. Je dis que quoi? Il me dit oui. Tu m'as dit que tu vas m'amener aux États-Unis, tu vas m'amener voir la statue de la liberté. Donc j'ai tellement fait les méditations et les visualisations, c'est bien que dans mon rêve, je me vois en train de voyager, l'amener pour découvrir les endroits. Pas vos subconscients où tu te vois. Oh, 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 oh. Oui. On me poursuivait. Je fuyais. Après, on a pris tout mon argent. Après, j'ai pleuré. Tout commence dans ton esprit. À longueur de journée, tu as les blocages qui viennent. Tu vois quelqu'un qui a une grosse voiture plus que la tienne. Tu te sens mal. Tu vois quelqu'un qui a accompli ce que tu n'as pas encore fait. Tu te sens mal. Tu vois, donc tu n'as même pas l'espace pour rêver pour toi-même. Toute personne que tu vois là-dehors qui te dépasse, il est seulement sur une marche plus élevée que toi. Il est au niveau 10, toi tu es au niveau 7 et tu es en train de monter toujours des escaliers. Développe seulement ton mental chaque jour. Dans 6 mois, tu vas voir que tu es là où tu étais, tu n'étais plus. Après 12 mois plus tard, tu as avancé. Il y a des enseignements que vous devez... Ça doit être dans tes oreilles 24 sur 24. Tu vois la vibration de motivation que tu as quand tu m'écoutes là. Imagine si tu étais comme ça 24 sur 24. Merveille, ne t'inquiète pas, je vais te bloquer. Tu as compris, non? Bonjour la reine Liliane. Oui, vous pouvez tout pour me distraire de mon objectif. Je me lève le matin et je dis qu'aujourd'hui là, il me faut ça. Parler. Tu vas y me faire des problèmes. Hein? Oh, tu me fais. Dès que tu vas sortir, tu vas partir. Tu m'appelles 30 minutes plus tard. Hein? Je suis en train de bosser. Tu ne pleures pas. Tu aimes que j'ai des filles, tu n'es pas émotionnel. Papa, je n'ai pas le temps de pleurer. I don't get time. La première fois de ma vie que quelqu'un m'a insulté, que je suis trop concentrée, c'était en 2018. C'était ma copine à Reims.
Elle va bavarder trop, c'est une Ivoirienne. Ouattara. Ouattara va te bavarder dans les oreilles. Jesus. Miso, si tu m'écoutes, toi, tu comprends que tu m'aimes, je t'aimais beaucoup, mais vraiment, tes bavardages là. Il dit Ouattara, laisse-moi tranquille. Je fais un semblant de dormir dans le lit. Dès qu'elle finit de bavarder, tu dors, elle bavarde. Dès qu'elle finit jusqu'à ce qu'elle est bas, elle ne parle plus depuis 5 minutes. Je me lève calmement, je pars sur l'ordinateur. J'écoute les motivations, j'écoute les vidéos. Ah! Un jour, elle se lève à 23 heures. Elle me voit sur les vidéos. Elle se fâche. Hein? Tu as fait, je suis venue ici en me couchant. J'avais mis mon appartement en Airbnb. Donc, j'ai dormi chez elle pendant 10 jours. Pardon. Elle voulait faire Amiticon. Genre, comme tu es chez moi pendant 10 jours, j'ai dit, ma chérie, laisse-moi. Elle se lève, elle m'observe. Je sens qu'elle est réveillée, mais je ne la calcule pas. Je suis concentrée sur ma vidéo, je regarde. Parce que je vous enseigne moi-même, mes heures d'apprentissage, c'est généralement 23h minuit, 4h30, 5h30. C'est là que ton subconscient est ouvert. Elle me regarde, elle se fâche. Tu me quel genre d'ami. J'ai bavardé ici, là, tu as fait comme tu ne comprenais pas. Maintenant, voilà, tu te réveilles, tu es seulement concentré sur ton truc. Tu es trop concentré sur tes choses, hein. My God, j'ai commencé à rire. Elle a mal prié. Moi, avant, j'étais le genre de fille qui hey, le bébé veut que je vienne lui préparer à manger. Mais voilà, 4 heures de temps dans la cuisine de bébé. Je ne peux pas pour bébé. Oh, bébé, tu fais quoi le bébé? Le bébé connaît que même ma propre nourriture, je n'entre pas à la cuisine pour préparer. Même ma propre, j'ai dit que. Donc, si tu es le bébé, tu peux venir dans ma vie, tu dis que je te dis en avance. Que la sauce gombo, je n'ai pas le temps pour préparer, monsieur. C'est mon principe, c'est moi, c'est ma décision. Je viens pas demander à toutes les femmes de dire, oh, tu vas être pâté déjà avec ton mari. Que vous avez commencé depuis 10 ans. Maintenant, tu vas te lever le matin, tu vas dire que tu ne peux pas. Ah, tant pis pour vous. Avant, moi, j'étais très dispersée. Quelqu'un m'a dit, oh, il me plaît. Je laisse le coaching ici, je laisse la page ici. Vous ne pouvez pas savoir dans les 18 derniers mois le nombre de relations que j'ai eues. Quelqu'un vient là, dragueur ticone. Focus, je suis focus sur mes vidéos. Focus sur mes objectifs. Il vient, il croit que, parce que tu es là, mon père, tu ne connais pas ce que j'ai demandé à Dieu. Tu ne connais pas les désirs que j'ai émis. Tu ne connais pas. You don't know. You don't fit talk. Parce que vous là, vous êtes trop dispersé. Tu rencontres un homme, tu oublies tous tes projets. Tu vois là derrière le bébé. Tu oublies tous tes projets. Bien, élan. Tu oublies tout. Tu vois là. C'est les paroles de bébé que tu veux maintenant. Ton évangile devient les paroles de bébé. Comme bébé connaît ce qui calcule chez toi, il a besoin d'une ménagère. Au lieu d'aller payer une femme pour qu'elle s'occupe de lui, elle ne peut pas pour lui, il mange, elle lave ses habits. Il est venu te voir, comme tu paraissais ne rien avoir à faire dans ta vie. Te voilà derrière lui, non. Comme tu étais désespéré avec 3 enfants, il fallait qu'on voit aussi que tu as un homme. Tu laisses tous tes projets, non? Tu portes même l'argent que tu avais économisé pour tes enfants. Tu prends, tu vas donner au bébé parce que tu veux l'homme. Te voilà. Kouchou, kouchou, kouchou. Vous me connaissez. Quand il dit mes choses, j'ai dit, moi, c'est vraiment gros. Hé, hé. Aïe, aïe, aïe.
Ça va bien que vous énervez, mais je m'en fous. Aïe, allons, 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 le coq, le bébé. Hey. Te voilà. Tu laisses tout, tu suis le gars, tu suis la fille. C'est avant qu'elle faisait ça. Même Machiavel ne voyait pas mon derrière. Machiavel. J'ai lu le livre là. J'ai ça dans mes trucs là, dans mes livres. Souvent, je prends Machiavel, je lis ça bien même. Je lis. Je lis. Donald Trump. Machiavel. Europine, tu as confirmé le code, non? Tu as lu l'heure sur le calendrier des Batoufam. Aujourd'hui, une Ivoirienne me dit, tu vas lire l'heure sur le calendrier des Batoufam. Je dis que, hey, si vous connaissez les Batoufam ici, là, Abidjan, hein? Oh my God, ils vont faire rire. Franchement, Abidjan, vous vous êtes trop bien occupé de moi. Regardez, mes joues ont monté. Regardez. Mes fossettes se sont encore creusées. Aujourd'hui, il y a la sauce graine. Les cadeaux alors. J'ai acheté la valise aujourd'hui, une costaud de valise. Hein. Même comme ça, j'aurai toujours même les excédents de kilos. J'aurai des excédents de kilos. Des cadeaux, cadeaux. Les gens m'y partent, ils viennent m'apporter les cadeaux. Vraiment, merci. On m'a trop négligé au Cameroun. Hein, Abidjan? Vraiment, vous connaissez, vous occupez une femme. Les Ivoiriens ne parlent pas seulement. Ils mettent de l'action sur ça. Maintenant, les Camerounais sont en train de dire, rentre vite, ma reine, tu nous manques. Jaloux. Ouf, qui est là-bas? Vous connaissez où? Vous connaissez? Moi, je suis abidjanaise. Qu'est-ce qui vous dit que je suis Camerounaise? Moi, je suis Ivoirien, moi. Ce qui vous a mis à terre avant, c'est que vous comptiez sur quelqu'un d'autre. Le tout, c'est personne. Règle numéro un, on ne compte sur personne. Pas le fait que tu rencontres l'homme. Tu as espoir que c'est lui qui va te donner l'argent. Arrête tes bêtises, la vie. Tu le calcules, lui-même, il te calcule. Hein. On va voir la personne qui va gagner. Gracias, Marcela. Je vous ai présenté mon mari hier. Eh oui. Il a pris mon chargeur. Juste que je vais seulement acheter l'autre au Cameroun. Il a pris. Et c'est moi, j'ai le chargeur de 5 000. Je vais acheter l'autre au Cameroun. Pendant qu'il quitte avec ça. Je n'ai pas rencontré le pasteur Camden. Moi-même, les gens venaient me rencontrer. Tu as compris, l'André Camden. Je ne suis venu rencontrer personne ici, là. Je suis venu parce que les gens voulaient me rencontrer. J'ai quelqu'un qui va venir du Ghana demain pour me voir. Vous comptez trop sur les gens. Comptez trop sur les gens. Trop. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu calcules ses papiers, tu calcules son argent. Ma chérie, concentre-toi, tu travailles ta part. Désormais, ton seul problème dans une relation, ce sera. Est-ce qu'il vient comme s'il calcule seulement mon argent ou bien? Tu n'auras pas des soucis des. Oh, est-ce que l'homme sait à l'argent? Parce que tu calcules son argent, le jour où tu vas voir qu'il n'a rien dans son compte bancaire, tu seras déçu. Beaucoup d'hommes ici dehors prétendent.
Ils vivent au jour le jour. Au jour le jour. Tu le vois, il paraît milliardaire, il conduit le Range Rover, il fait ici, il fait ça, une grosse maison. Il vit au jour. S'il fait 2 mois à la maison sans sortir, tu vas voir. L'endettement de ça. Est-ce qu'il va leur te dire? C'est en Afrique que j'ai vu les gens avec le cash. Quand tu portes 20 millions, il pas déposé, il dit que donne-moi la voiture. Pour tout cas en Europe, tu dois déposer, tu dois attendre, tu dois tourner, tu dois monter. Et aussi, vous avez eu la paresse de travailler votre mental avant. Vous avez la paresse, vous êtes paresseux. La spiritualité demande le focus. Tu as une idée. Tu pousses avec l'idée là jusqu'à ça accouche, ça te donne l'argent. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois où j'ai arrêté ceci. J'ai lancé la page et j'ai arrêté, je me suis marié. Le mariage n'a pas donné. Dès qu'il est parti, le lendemain, je me suis relancé sur la page et j'ai continué. Il y a Orange Money ici, oui. Oui, le Ndolé chasse les maris de nuit. Oui, la reine Fatou. On me fait rester. Je vais. Eh, Abidjan. Abidjan est doux. Abidjan est doux. Les 2 premières années de la page, je faisais beaucoup de paresse. Il suffisait qu'un homme entre dans ma vie. Je laisse tout. J'abandonne la page. Je commence à m'occuper de lui. Bien sûr, à un moment, pour l'attention que tu lui donnes, il va demander plus, 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 plus. À un moment, tu ne pourras pas donner, il va s'ennuyer, il va aller chercher ailleurs. Ou il va s'ennuyer, il va te dire, ah, ça ne donne pas. Ça m'est arrivé peut-être deux fois. Après qu'elle soit revenue sur la page, j'ai dit que je vais pousser sur la page jusqu'à ce que ça va donner. J'ai dû mettre le focus. Les affaires qu'on dit que bébé, ouais, on est fatigué, donc on est bien préparé. Écoute, si j'ai une inspiration, je vais mettre le téléphone si je vais parler. Il est 22 h, non? N'est-ce pas? Combien de fois vous me voyez en direct? Au moins une fois par jour. Vous n'avez pas le focus. Vous ne savez pas ce que vous voulez. N'importe qui peut venir te distraire. Ah, je sais que j'ai les dons. Je sais que je suis appelée à être coach. Je sais. Mais le diable ne fait que. Le diable ne fait rien. Tu as espoir que l'homme-là, qu'il a même 50 millions dans son compte. Lui-même, il a espoir que tu as même peut-être 500 000 que tu as gardé quelque part. Calculez-vous. Tu as rencontré un homme qui a plus d'argent que toi. Tu te retrouves à la fin de la relation où tu as dépensé plus. Ha ha! Aïe, 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 aïe. Tu as fait les mauvais calculs, ma chérie. Tu as fait les mauvais calculs paresseuses, là. Joël Carmelo, le 693, fais le dépôt là-dessus. 693, le nom c'est Joseline. Bonsoir, Borel. Si j'ai changé ta vie, c'est bien. Faut que tu je veux voir les résultats. Faut pas que tu changes seulement en pensée, pas en action. Oui, mon rêve, c'est d'ouvrir mon restaurant. Mais tu sais, mon mari, il n'aime pas que je travaille. Il n'aime pas que je ne peux pas pour que d'autres personnes mangent. Tu es bête. Pourquoi tu es bête comme ça? C'est abusé. Et voilà, que tout, que tout.
Tu es chez toi enfermé. Il n'y a que lui qui mange ta nourriture. Après, même l'argent seulement pour aller faire. Ta mère est malade, tu as besoin de le supplier pour qu'il donne l'argent pour s'occuper de ta mère. Et tu as les dons, hein. Ton mental là n'est pas encore bien développé. Fais la cure de désintoxication. Écoute mes vidéos en boucle pendant 21 jours. Tu jeûnes. Tu manges pas entre 6h et 18h. Si ça ne change pas, désabonne-toi, tu vas me saboter. Crée la page, tu dis anti coach Jocelyne, un truc comme ça. Que je déteste cette femme, elle m'a gâté ma vie. Un truc comme ça. Vous êtes paresseux. Tu as une idée de faire des séminaires. Tu as une idée de faire des services de coaching. Tu as une idée de faire ceci. Non. Tu vas aller te cacher derrière ton petit truc que tu fais là. Te cache derrière. Ah, je ne connais pas mes dents. Ah. Tu fais l'humilité avec qui? Tu fais l'humilité avec qui? Vous aimez parfois qu'on vous parle mal, je ne sais pas pourquoi. Lève-toi, tu peux utiliser tes dons. Sers tes dons à notre génération. Donc, vous devez développer un mental d'acier et utiliser la répétition. Écoutez beaucoup de vidéos qui vont changer votre façon de penser. Débarrassez-vous des Decepticons autour de vous. Il y a les enfants Ticons. Les papas ticonnes, les mamas ticonnes, les maris ticonnes, les meilleurs amis ticonnes. Ils sont partout. Tout ce qui vit de ton énergie là. Bon, moi, viens vous. Je venais de rentrer là. Donc, je me suis dit, pendant que j'ai fait mes valises, il faut que vous fassiez une petite vidéo. Vous pouvez voir que je suis assez fatigué. Mais ça va. J'ai quand même eu la force de vous passer le message que j'avais pour vous. Le focus va beaucoup vous aider. Focus. Sachez que toutes les idées que Dieu a mises dans votre tête, vous pouvez accomplir. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Vous aimez qu'on vous bloque. C'est pour ça que vous partez dans les églises où on va vous bloquer les idées. Vous aimez qu'on vous bloque. Vous aimez la pauvreté. Et vous jugez ceux qui ont l'argent. Tu n'es pas censé avoir l'argent. Hein? Tu couches avec l'homme là pour qu'il te donne l'argent. Pourquoi? Tu fais que laisser les gens. Cherchez pour vous. Voilà. Sur ce, laissez-moi aller profiter de mon bon douli. Mon douli. Mon lit qui est doux. Aïe, aïe, aïe. À demain matin. Bonne nuit. J'ai au moins 200 vidéos sur cette page. YouTube, Facebook, c'est le même nom. Abonnez-vous à ma page YouTube. J'ai mis une méditation que j'ai faite ce matin sur YouTube. Donc allez regarder là-bas. Vous allez voir mon lit, vous allez voir comment je me couche au lit, je dors, comment je parle, comment je pense, comment je fais ma méditation à 5h le matin là. Allez regarder ça, ça va vous aider. S'il vous plaît. Ne regardez même pas. Hein? On vous supplie pour les choses chaque jour. Vous voyez, vous aimez qu'il parle. On vous supplie pour que tu changes. Non, vous m'avez. Ouais, Seigneur. Ne partez pas regarder. Vous avez compris. Vous avez compris. Ne partez pas. Hein. De toutes les façons, je fais mon chiffre d'affaires déjà. Vous avez compris. Ne partez pas. Hein. Restez comme ça. Hein. Vous avez compris. C'est un peu temps. Souvent, tu vas voir quelqu'un qui court. Je fais la consultation. Je fais la consultation. Je t'ai entendu une fois en passant sur Facebook. Et je veux te parler. Tu as écouté mes vidéos. Non, mais tu te laves au sel.
Non, mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Ha. Quand on te chasse, allez, remboursez-la. Va regarder mes vidéos. Dépêche-toi. Quand tu reviens, je vais savoir si tu as regardé ou pas, parce que ta façon de parler. Quand on s'est dit, quand tu viens devant moi, je te dis que tu es une Decepticon. Tu commences à me dire que Decepticon, c'est quoi? Tu es un simpleton. C'est quoi? Simpleton, c'est quoi? Tu écoutes mes vidéos. Non, j'ai écouté seulement une fois. C'est ma tante qui m'avait donné le lien. J'ai regardé seulement 10 minutes. Madame, sautez. Madame, sautez. On mâche la nourriture, on met dans votre bouche. Vous préférez aller sur YouTube pour regarder les nonsense. Les choses qui ne vont pas vous aider. Voilà votre problème. Et je vais parler ensemble, je vais partir regarder encore. Oh, Seigneur. On vous a seulement vendu. On ne peut pas te trouver sur YouTube que tu regardes quelque chose qui va t'aider. Moi, je faute mes bébés. Je suis très dure à mes enfants. Très dure. Vous souffrez comme ça parce qu'on vous a trop doloté. Et vous dorlotez vos enfants. J'ai formé les enfants, il y a mes enfants parmi, je faute mes enfants. Ça ne va pas être faute devant tes amis. Quand tu es excellent, je te félicite devant tes amis. Tu es bête là, il te faute devant tes amis. Mais dis que ta bêtise là, ça ne me ressemble pas. Vous êtes mes bébés, je faute mes bébés. Tu es là, tu passes des heures sur le net. Tu ne regardes rien qui va t'aider. Ah ça. Comme ça qu'après ton langage sera seulement. Ah tu sais, je panique, madame. Je ne sais pas. Tu écoutes mes vidéos. Quand tu es dans la salle d'attente, je passe, je t'observe, je vois ce que tu fais. Elle est dans la salle d'attente en train de regarder toutes les comédies. Elle rit. Pourquoi tu ne regardes pas une vidéo qui va t'aider? Non, je suis là, non, je vais parler bientôt avec la reine. Tu passes 3 heures sur mon canapé chez moi. Tu ne regardes aucune vidéo qui va t'aider. Quand tu vas entrer dans ma case, je vais te dire que madame, je suis désolée, je ne peux pas vous recevoir. Toi-même, tu ne veux pas changer. Je n'ai pas été envoyée vers n'importe qui. Je ne suis pas appelée à soigner tout le monde. C'est pour ça que je vois un dessin qui continue sur ma page. Et commence à vouloir, je le bloque. Vous n'êtes pas tous pour moi. Oui, certains partent regarder les films pornographiques. Certains se masturbent même. Tu passes toute ta nuit au téléphone, tu es sur l'ordinateur, tu es sur le téléphone, tu es masturbé. Tu es bête. Tu ne sais pas là où tu vas. Pendant que les gens vont écouter les vidéos, suivent même un séminaire en une nuit. Non, tu es bête. Tu es bête. Ne me suis plus toi. Quitte ma page. On vous supplie, quand on vous supplie, abonnez-vous, abonnez-vous. Quitte ma page. Fais du vent. Libère la ligne. Continue à zapper. Tu fais tes faux trucs. Tes résultats vont te vont. Tu vas lire avec tes résultats. Tu vas confirmer le code. Pas d'argent. Aéré de loyer. Pas de papier. Blocage. Pas de mariage. Dis-moi, élan, élan comme ça là. On enseigne, vous ne regardez pas. On parle, vous n'écoutez pas. Vous maîtrisez. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Bon, je vais prendre mon bain chaud.
Vous passez une superbe et excellente nuit. À demain matin. Certains d'entre vous, deux de mes vidéos cette nuit, ça joue seulement en boucle. Tu vas te réveiller à 3 heures. À 3 heures que tu vas te réveiller là. Tu vas entendre ma voix à 3 heures. Je serai en train de te dire, tu dois changer. Tu dois avancer. Oui. À 3 heures là, tu vas tomber. Si tu vas te réveiller, je serai en train de te parler dans la vidéo là. Mon esprit sera là devant toi. Je vais te parler. Bye bye. Bonne nuit.